à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des participations des copines et copains. Voilà. Merci, comme toujours, à mes nouveaux amis et puis à mes plus fidèles. Et donc, là, on va commencer cette vidéo par la participation de Nadia. Donc, elle a une chaîne que vous trouverez en barre d'infos. Donc Nadia, voilà ce qu'elle va faire. Elle va déjà, elle m'a offert un très joli bouquet, donc fait 100% main. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous le montrer. Ce que je vais faire, hop. Voilà, elle m'a fait un très joli bouquet. Donc je vais pas le ou aussi, je vais les allez, sachant que la merveilleuse Bustelina 45, en plus, ça sent bon. Alors, je prends une paire de ciseaux parce que c'est tellement scotché que j'y arrive pas. Désolée, je suis obligée de couper le plastique parce que ma belle, j'arrive pas à le retirer. Oh, ça sent super bon en plus. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc, elle m'a mis un cœur avec marqué fait main avec amour, affectueuse pensée, Nadia. C'est très gentil. Bah, merci beaucoup. Elle a mis les coquillages. Elle a mis plein de choses. Un petit bonhomme. C'est très gentil. Puis alors, c'est drôlement parfumé. Hein. Très agréable. Ensuite, elle m'a fait une petite memory dex. Hein. Ensemble, donc un fond qu'elle a embossé avec des stickers oiseaux, fleurs, un petit sentiment bonheur. Elle a mis des demi-perles. Alors, elle aime le chabis, le rouge, les couleurs turquoise et le noir. J'ai ça, non. Simple et gentil, scrap depuis 2018. Elle fait du crochet que depuis 5 mois. Ben, sa chaîne YouTube, je vous ai dit, c'est merveilleuse. Douceline 45. Voilà. Mais je vous dis, vous trouverez sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, elle m'a fait un crayon altéré, un crayon à papier, ou un crayon de bois, suivant où on met. On dit crayon de bois ou crayon à papier. Donc avec une image crochetée, voilà. Douceur d'été, avec un oiseau, un cerisier en fleurs, donc des demi-perles. Je le vois parce que voilà. Merveilleuse Douceline 45. Ça sent vraiment bon. Et là, donc, elle m'a mis un petit tag avec une jolie poupette avec une fleur. Donc elle est vert d'eau, hein. Vous la voyez bleue, mais elle est vert d'eau
en mousse avec un petit napperon, de la broderie anglaise, de la dentelle, un joli petit papillon, ouais, de la dentelle, du cro... oui, et des perles et demi-perles. Voilà. Et donc, ça, c'est sa carte avec une découpe fenêtre marquée fait avec amour, je n'en doute pas. Une branche avec des oiseaux, c'est peut-être des hirondelles, un papillon, un galon, des perles, des demi-perles. Alors, affectueuse pensée du fond du cœur pour une scrapeuse très sympa, avec une longue amitié. Merci. Alors, je vous montre juste, hop, voilà la colorisée. Regardez, elle est jolie. Toute belote. Très belle, très expressive. Alors, merci de tout cœur tes gentils commentaires de me suivre. C'est pour ton concours, j'espère que cela te plaira. Pardon. Mais... oh, mais t'as un amour, c'est gentil. Mais toi aussi, hein, prends bien soin de toi. Hein. Et tes prochains. Ça, c'est vraiment très, très important. Et bien, donc ça, c'est la participation de Nadia. Ben, merci beaucoup, ma belle. Donc, hop, je reprends son bouquet très parfumé, que je vais trouver une jolie place. Et donc, Nadia, tu portes le numéro... Donc, Cathy, c'était une vidéo à part. Donc, Nadia, tu portes le numéro 34. On dit. Ensuite, nous allons faire l'ouverture de la participation de Karel. Alors, Karel, c'est pareil à la chaîne YouTube, elle fait des très jolies choses aussi. Je mets alors Karel avait fait aussi une présentation de ce qu'elle m'avait offert. De toute façon, je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne. Hop, ça revient sur moi. J'avais tout mis dans un joli carton. Moi, je préfère. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Vous voyez? Plein de jolies choses aussi. Alors, Karel, bon, on va commencer par les petites choses. Moi, j'aime bien, des fois, pas faire comme tout le monde. Donc là, elle m'a mis un joli petit nounours. Ben, tu vois, petit nounours. Oups, c'est tombé. Je le mets là. Ensuite, elle m'a fait des... Ah mince. Attends, ça s'est pris dans... Elle m'a fait des petits bonbons. Ah non, il était accroché avec. Des petits bonbons en tissu. Très mimi. Avec des toutes petites roses. Adorables. Ensuite, elle m'a fait des fleurs. Avec de l'organza, donc dans les tons saumon, c'est pas orange, hein, elles sont saumonées en plus, avec des perles, une guirlande de perles, des petites perles, des demi-perles. Elle m'en a fait aussi une rose. Je repose au fur et à mesure parce que j'ai pas envie que tout se perde et s'esquinte. Elle m'a mis des petits trombones comme ça,
très mimi. Un petit badge comme ça, Carpe Diem. Ensuite, elle m'a fait avec un petit trombone altéré, un petit shaker. Je ne remets pas trop devant vous. Avec un petit nœud, une demi-perle. Et derrière, elle a mis une petite fleur avec une demi-perle. Elle m'a fait aussi un marque-page shaker. Elle avait fait un tuto aussi, tout ça. Je voulais aller voir sa chaîne, mais je ne serais pas déçue. Voilà, avec des rubans. Très joli. Ensuite, elle m'a fait un crayon à papier. Ou de bois, enfin, comme vous voulez, altéré. Donc avec un badge, avec la petite poupette, une plume, un joli ruban, un petit napperon, enfin des petits napperons. Là, elle a fait comme une fleur. Là, c'est une fleur aussi, il a une fleur, je sais pas si en satin avec un strass, une guirlande, la dentelle qui fait non, très joli. Elle m'a mis aussi un petit carnet. Voilà. Très joli. On est rose. Je sais plus, je sais pas par quoi commencer, tellement c'est joli. Là, elle m'a mis des napperons. Il n'y en a pas qu'un. Elle m'a fait un petit shaker comme ça, avec des tubes. Très joli. Et puis un petit cœur. Là, elle m'a fait un petit bloc avec différents papiers, papier vélum, tout ça, mis de la dentelle justement, donc toujours avec une petite rose et un petit ruban, derrière c'est du tissu qu'elle a collé. Ensuite, elle m'a fait un joli tag avec de la dentelle. La petite, bah, c'est la même que moi. On a la même avec une petite fleur, un petit ruban, une petite image. J'ai mis des roses. Là, une petite enveloppe. C'est très joli. Oui, c'est bien fini. Là, dans des pochettes en tissu, oui. Elle m'a mis. Ah, bah écoute, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu du mal à la remettre. Elle m'a fait une petite memory dex. Voilà. Une enveloppe, des perles. Là, des petites paillettes. Alors, elle aime le chabi, le vintage, la dentelle, le rose, le blanc, le beige, Tilda, les fleurs, les oursons. Voilà. En gros, comme moi, quoi. Elle aime pas les couleurs foncées. Alors, moi, en vêtements, par contre, vous voyez, j'ai du noir là, sur moi, ça me gêne pas. Mais après, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Puis, bon, je fais une parenthèse, hein, on n'est pas parti dans la couture, la mode et tout l'emploi. Mais il y en a, ça leur va bien, et il y en a d'autres, ça leur va pas du tout. C'est comme les couleurs flashy, je trouve que ça... Bon. Voilà, petite parenthèse. Là, elle m'a fait un joli embellissement avec un cadre, la petite poupette que beaucoup connaissent, avec de la broderie anglaise, un joli nœud. Et là, elle a mis une petite étiquette aussi, comme ça, 3D. C'est tout mimi. C'est mimi comme tout. Vous voyez ? Bien fait, hein ?
C'est très très joli. Là par contre j'ai une alerte, enfin une alerte. Quoique ma batterie n'est pas tardée. Donc là, elle m'a mis une bougie. Ça sent très bon. Très belle fragrance. Là, elle m'a fait une pocket letter. Oups. On va faire comme pour tout à l'heure pour Cathy. Voilà, je montre comme ça. Donc là, elle a mis des fleurs, des strass. Là, elle a mis un petit embellissement, petit beurre en bois. Des petites fleurs, une petite fleur en crochet. Des petits cœurs qui strass. Là, elle a mis de la gaze avec un petit cupcake. Pareil, la gaze avec un sentiment You Are Magic. Des petits brillants. Des demi-perles, une petite fleur. Là, c'est pareil. Et donc, elle a mis de la dentelle. Là, je pense que c'est elle qui a dû rajouter washing tape avec des gourmandises, hein, des glaces. Plein de bonnes choses. Je vous repose. Et donc, derrière, elle m'a mis des découpes. De plumes, des roses, des grises et roses de différentes tailles. Celles-là, c'est les mêmes. Elle m'a mis aussi des fleurs, saumon et un joli bleu, mais qui tire un peu vers le mauve, je trouve. Très joli. Oups. Là, elle m'a mis des pistils. Elle m'a mis des jolis boutons. Là, il y a un petit papier, une petite plume. Là, elle m'a mis du ruban avec la dentelle. Du coup, je vous ai même pas montré son bijou qu'elle m'a fait avec un petit pompon. Regardez, petite perle adorable. Et là, elle m'a mis voilà, c'est pas du lin, ça c'est un peu de la toile assez épaisse, coton assez épais. Des petits tags dessus, on peut faire des, moi je ferai des tampons, des tamponnages, des tampons, un tampon pour faire des tamponnages, un moule pour faire des moulages. Et là, elle m'a mis plein de jolies découpes. Je vous dis, on a les mêmes goûts, hein, parce que je connais bien cette collection. Superbe. Et là, elle m'a mis je trouve que les pocket letters c'est super, mais je trouve qu'elle devrait être plus grande pour que ça soit moins fragile quand on met des choses dedans. Et là, elle m'a mis des papillons en 3D. Ça, c'est pour sa pocket letter. Ensuite, alors là, elle m'a mis plein de petites choses. Hop, je vous montre un peu comme ça. Hop, plein de choses. Plein de petites bidouilles, comme on aime. J'aime bien tout ça. Donc, des petites épingles. Un domino. Petite fleur en crochet, petite pendule comme ça, et regardez, tout joli.
On a même une petite fleur comme ça. Des petits nœuds en taille and die là. Là, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Des embellissements en bois. Un petit embellissement loupe marqué handmade. Des petits comme ça. Un mamie des coins aussi. Voilà. Jolie perle comme ça, petite fleur, là d'autres petites fleurs, petite rose, voilà comme ça, là il faut hop, petit bouton. Montre un petit papillon, des petites breloques, plein de jolies choses. Voilà. Je pense que vous voyez tout. Petite fleur. Hop. Ensuite, j'ai à mamie aussi un petit trombone. Voilà, là, c'est sa carte. Hop, très jolie. Oups. Alors, elle est contente de participer à mon concours. Mais c'est très bien ce que tu m'as fait. Merci beaucoup. Hein. Et à mamie, plein de découpes. Des papillons, plein de découpes de papillons. J'aime beaucoup tes papiers aussi. Plein de jolies choses en découpe. Une bordure. Voilà. Comme ça. Et elle m'a fait une très jolie boîte à off altérée. Regardez comme c'est joli. Des nœuds, de la dentelle, du crochet, des plumes, des fleurs, de la broderie anglaise. C'est adorable. Voilà. Après, on décore ou on met des petites choses dedans. C'est super joli. Et bien, Karel, je te remercie beaucoup. Je te fais de très, très gros bisous. Merci pour tout. Alors, donc, Karel, tu portes le numéro 35. Voilà, donc bah, comme pour toutes et tous, hein, je vous souhaite bonne chance à chacun et à chacune. Merci pour tout. Donc pour cette petite vidéo, on va arrêter. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bel après-midi, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Hein.